qui faut-il aimer le plus ? Dieu, les autres ou nous-mêmes ? Alors ça, pour le coup, c'est un vrai casse-tête. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 2, versets 37 à 39, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais alors, est-ce que cela signifie que je dois aimer Dieu en premier ? Ou alors mon prochain ? Parce que il y a Dieu dans mon prochain. Ou alors moi ? Bah oui, parce que je dois aimer mon prochain, qui est Dieu, et je dois l'aimer comme je m'aime moi-même. J'ai pas compris. En fait, tout ça est connecté. On peut dire qu'on va d'abord se concentrer sur Dieu. Parce qu'à partir de là, tout change. Plus j'aime Dieu et plus je le cherche, et plus il va m'envoyer partager cet amour autour de moi, et donc avec mon prochain. De la même manière, plus j'aime Dieu, plus je comprends que l'aimer, c'est aussi m'aimer moi, sa créature. C'est m'accepter et m'apprécier avec mes qualités et mes défauts. Les trois aspects sont donc indissociables. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Et si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous pouvez toujours demander à Dieu la capacité d'aimer Dieu, vous-même et le prochain tout autant. Ne vous inquiétez pas, il saura quoi faire.